ne passez pas, parce que j'habite à quelques enclaveurs d'ici. Pour aller chez moi, il me fallait contourner. Nous avons dit que nous allons demander à la communauté urbaine de nous mettre des pavés ici. Ça a été fait. Alors, chers camarades, n'allez pas balbutier auprès de ces aventuriers, de ces apprentis sorciers. Ils vous diront oui. Ils vous diront oui. Donnez-nous aussi la chance. Demandez-leur qu'à quoi servent les comités de développement des villages. Nous tous là, on appartient à un village. Tous les villages, je vois même Boladouma, Bonadoumbe, ils ont l'arbre de Noël des enfants. Ils ont la rentrée scolaire des enfants. Ils ont la journée d'excellence des enfants. Qui cotise pour que ces enfants aient tous ces dons? Qui apporte de l'argent? C'est les élites de ce village qui chacun apporte sa contribution pour le développement de son village. Pour ceux qui viennent de Bafoussa, il y a un comité de développement à Bafoussa. Vous appuyez votre chef en créant un comité de développement. Vous y contribuez pour construire les salles de classe. Quand il fait pour Douala deuxième. Ils ont dit, j'apprends qu'il y en a qui viennent de Dubaï. On va vous montrer les gros passeports et les gros visas. Parce que, comme on dit que nous, c'est un village. Et vous allez croire qu'il y a beaucoup d'argent qui arrive. Mais l'argent là devait venir avant. Donc demandez-leur s'ils ont un seul jour donné un pic à un enfant à Douala deuxième. Parce que moi, nous, c'est mon village. Je suis nouvelloise. Je n'ai pas attendu d'être mère pour contribuer au développement de Nouvelle. Si c'était les vrais Nouvellois, ils auraient ne serait-ce que construit ça de grâce pour montrer l'amour qu'ils ont pour Douala deuxième, pour Nouvelle. Ils ne l'ont jamais fait. Ils n'ont jamais versé un casier de Pozelac, un canon de Pozelac quelque part. Mais ils demandent vos voix. Ils veulent être des députés. Faites attention. Faites attention. Si vous votez une liste sans l'autre, ça veut dire que nous avons perdu. Pour que le président Pobia ait les moyens pour qu'à l'Assemblée, le cas de Douala deuxième soit regardé, il faut voter la liste conduite par Emmanuel Pongo et sa suppléante Ali. Parce que nous sommes en chantier à Douala deuxième. Dans les prochains jours, vous aurez la maison de la femme, un bâtiment aussi beau que celui-ci. Tous les jeunes filles mères de nous-mêmes seront formées à trouver un emploi. Parce que lorsqu'on veut les recruter comme ménagères, il y en a qui ne savent pas faire une distinction entre un produit du sol et un produit des villes. Nous allons les former. La maison de la jeune fille est là et dans les prochains jours, on va l'inaugurer aussi. Chers camarades, les projets sont très nombreux. Les projets sont nombreux. Et c'est des projets qui doivent être réalisés. Et si vous n'allez pas convaincre vos époux, vos enfants, vos amis, vos camarades de voter les listes RDPC, ça veut dire que vous aurez failli à votre mission. Il faudrait que sortir d'ici, que vous continuiez à aller véhiculer le message. Tout ce que le RDPC fait pour vous à la deuxième. Tout ce que le RDPC fait pour l'épanouissement des femmes, je pense que si vous le faites, le soir du 9 février, nous aurons les 41 sièges. Parce que nous voulons 41 sièges.